Bon, bonsoir tout le monde. Dans nos focales, je vous bienvenue dans la discussion qui va faire jeudi hein, sous politique publique et avortement, qui est initiative de collectif pour les droits en santé sexuelle et reproductive. Et jeudi, on a accueilli trois panélistes pour discussion ça. C'est Lise-Marie Desjean, médecin spécialiste en médecine communautaire, ancien ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, et membre organisation SOFA, Solidarité Femmes Haïtiennes, et membre fondatrice de collectif pour les droits en santé sexuelle et reproductive. Nous gagnons tout Rosie Auguste du Sénat, qui c'est membre barreau Port-au-Prince et responsable de programme et dans le Réseau national de défense des droits humains RNDDH. Et troisième intervenant, nous, c'est à Laura Louis, journaliste et dans Haïbo Post. Il était remporté prix Philippe Chaffanjon en 2021, portage Tatetifi sous question de thèse virginité. Qui qu'on a fait sous FI en Haïti. Et Léa Tou, donc jeune journaliste avec pratique sous autonomisation des femmes rurales en Haïti. Donc, pour modérer causerie ça, nous prenons avec nous Katia Hiller, qui est membre collectif DSSR. Donc, moi, c'était nous bonne écoute et puis et nous partons. Et avant, et de façon dans des perspectives différentes, on par rapport à compétences, par rapport à spécialisation, il a abordé question ça, mais pratique ça, et qui existait et qui fait partie de histoire de vie. Toute femme, toute catégorie femme et toute classe femme. Donc, qui là depuis quelque temps et j'aime dire qui fait partie de vie en femme. Et pour qui ça, politique publique et avortement? Pour qui ça, politique publique, donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire intervention de l'État et la question régulation et rapport moun ak moun, rapport type de rapport que groupe moun gen ak groupe moun. Et pour que ça l'État régule une pratique de ce genre. Alors, très souvent, le dit avortement, c'est un terme, c'est un mot qui est déjà stigmatisé. Ça veut dire depuis un montant d'avortement, culturellement, les gens ont une réaction comme si on t'a dit stigmatisant. Femme qui fait pratique ça, femme qui était fait un avortement à un moment donné dans la ville pour une raison valable, lui stigmatiser femme ça. Donc, pour qui ça l'État obligé organiser pratique ça? Pour qui ça l'État doit intervenir dans type de pratique ça, c'est-à-dire camper grosse là? Et j'aimerais dire tout à l'heure, ça veut dire que l'avortement, terme avortement, les outils genre stigmatisant. Et par rapport à perception moun, en général, mentalité haïtienne là, par rapport à réaction moun, donc plutôt parler de campé gosse là, c'est une décision qui personnelle, c'est-à-dire c'est femme là qui décide si il paraît pour faire petite. Et donc, pour qui ça l'État obligé
rentrer dans cause ça. Et donc c'est titre cause là jodi hein, politique publique et avortement et n'a espérer que échanger a intéressant à permettre tout le monde sensibiliser sous enjeu tout ça que ça impliquait que l'État intervenu ou bien tenter réguler question ça de question de campé gros là qui c'est une décision personnelle d'une femme. Et alors m'a passé la parole rapidement à Lise Marie Desjean pour des points qui importants qui permettent nous quand même ouais et progression histoire un petit peu de politique publique ça hein? Politique publique yo à travers le monde et en Haïti sous question campé gros là. Lise Marie. Bonjour tout le monde. Et merci et collectif de ce que vous avez invité à participer aujourd'hui. Bon, politique publique et avortement. Pour moi, je vais vous dire, c'est une histoire. Et pour qui ça, c'est juste ça que nous parlons, nous citons plus spécialement sous avortement ou bien campé gros là Jean Katia Sotil là c'est 28 septembre là son date que organisation femmes internationales surtout latino-américaine et caribéenne t'est choisi parce que dans histoire femmes dans Amérique latine et Caraïbes esclaves yo yo t'est gon jour l'État te décrété journée vente libre et au Brésil spécialement jour mesdames t'a choisi journée ça mesdames brésiliennes t'a gagné en pile là d'ailleurs yo t'a choisi parce que la caillou c'est journée 28 septembre là qui était journée vente libre là nous fait après nous faire recherche nous est que l'était journée vente libre t'a existé au Chili au Nicaragua en Argentine et en Bolivie divers côtés et qui te gagne esclave parce que journée ça jour monde qui fait jour 28 septembre là yo pas esclave c'est peut-être ça était le journée vente libre en Haïti et nous connaît dans histoire nous que mesdames et esclaves yo te gagne yo te connaît pratiquer avortement parce que il y a pas de petite yo vin esclave dans condition que tu as vivre là il y a pas de petite yo vivre dans condition dans même condition ça il était pratiqué avortement en pile jusqu'à ce que bon tu gagne yon matron même qui était spécialisé dans ça que le patron yo découvre ça yo était arrêté l'exécuter yo était exécuté li et ça t'est passé dans nord. Bon, et dans l'histoire par nous, avortement c'est troisième cause de la mort. Nous connaissons que la mortalité maternelle, ça veut dire que petite femme qui mourit dans fait petite par année, en Haïti, c'est 529 pour 100 000 naissances vivantes. C'est pour 100 000 petits mouns qui fait vivant. Avortement représenté 18% et dans 529 ça veut dire à peu près 100 femmes perdu la vie chaque année dans faire petite parce que yo pas joindre soin ou bien puis fortant yo fait bail là en bachal et parce que gen loi dans code pénal nous article 262 a condamné ni femme qui fait petite là qui fait avortement ni moun qui fait qui aide elle dans faire avortement ni moun qui accompagne elle joindre moun nan, ni moun qui ba le conseil là ça veut dire tout moun supposé en bas code mais dans la pratique ça qui rive gongo et hypocrisie sous ça dans la pratique si me sorti là bon taxi et puis me dit mène mon côté pour me faire avortement bon bien que à mes âges sont là qui pas facile mais m'a joine au côté m'a joine quand même m'a joine lui-même
li menem sans problème pour me cap faire avortement. Ça veut dire son pratique de chaque jour, son pratique courante. Parce que femme nan depuis li gen pou la voter, la pas voter quand même avec loi ou pas loi. Nous même nan sofa, comment nous faire venir découvrir ça? C'est parce que en 1988 Sofa te fait former pour aider. Yo vinn di nou que gon groupe jeune si mesdames dans l'hôpital général que y a hystérectomisé, y a retiré matrice. Alors discrètement n'aller nous former nos enquête et puis nous vinn rendre nous compte que c'est vrai que ti mesdames yo y a tapé retiré matrice pour qui ça? Parce que y a le fait avortement en bachal. Mais comme moun ki fait avortement, que c'est docteur, que c'est un charlatan, enfin, que son l'autre moun qui fait avortement, ou moun qui pa gen diplôme docteur, li moun nan pa responsable. C'est tout chay la, c'est tout d'autres femmes nan liye, ou femmes ou jeunes filles. Donc c'est comme ça que mesdames yo lè yo commencé, yo gen complication, y a sain, yo couri à l'hôpital et le yo sain tellement que obligé retirer matrice pour sauver la vie. Donc c'est comme ça nous de fait tomber sous vérité ça. Et à partir de ça, nous té comme nous té gagné rapport avec réseau santé femme latino-américain et caraïbe, nous t'al participer dans une rencontre qui té fait sous ça. En Argentine en 1992 et là nous tournons en Haïti, nous lançons une campagne pour dépénalisation, nous faisons recherche, nous vinn que dans le code pénal là article 262 condamné et pénalisé avortement Jean nous saute dit là. Donc nous supposons aussi capable pour voter plus précision sur ça. Et à partir de ça, nous décidons de lancer une campagne de sensibilisation sur la question avortement. Bon, heureusement, nous, yo stigmatisé nous, yo dit nous sommes ben, enfin, des immorales parce que yo toujours associé question avortement à une question de moralité. C'est ça n'a rien à voir parce que comme c'est pas moi, moi qui dois décider pour me faire comme ça me plaît. Et c'est un bagay qui internationalement que haïtien qui là depuis 1968 dans la déclaration de Téhéran et que yo dit que droit sexuel et droit reproductif c'est droit moun yo ye. Et puis en plus de ça nous gagnons toutes les déclarations universelles de droit moun qui nous gagnons convention et contre la discrimination et contre discrimination faite aux femmes. Donc tout bagay ça yo exprimé clairement que droit sexuel, droit reproductif, c'est droit moun, c'est droit femme, c'est droit femme comme moun. Yoye. Et donc on l'état qui pas reconnaître femme ça droit à la droit ça comme droit femme c'est l'état ça a violé droit en tant que monde. Premièrement droit à la vie, nous sommes la première femme qui a mouru, droit à la santé, droit pour même ou décider le pouvoir de choix. Jean et je t'ai dit et l'autre jour pour 25 ans conférence Pierre là et puis liberté pour choisir religion voulez, liberté de penser et liberté de religion, tout droit ça c'est des droits qui violés par loi ça. Ouais, ou gain contrôle propre corps propre fécondité ou pour décider faire petite leur voulez. Ouais, pouvoir faire petit tout c'est pour vous lier, c'est pas moun qui vous décide pour vous. Ouais. Donc moi dit pour et pas jamais gain démocratie dans pays a tout autant ni développement durable, tout autant femme dans société hein, spécialement
fòm pòv, yo fòm se jousi ke, pa, se, ki a lè trè ris e lè pòv. Ouè, pa genye un mwayen term. Dok, tout otan nou kontinye ap mouri nan fè pitit nan kesyon avortman. Et tout autant nous continuons à recevoir parce que l'État a ça le fait, li condamne, li châtie, li longe droit sur et Jean Katia Sodian, mais li pas fait rien pour améliorer condition la vie. Du l'État qui pas garanti femme yo, yo maternité volontaire, c'est li ça veut dire li pas respecter ni droit sexuel à reproductif ni liberté pour choisir. Que moi répéter encore. Et en plus de ça, ou gagne toute l'église, toute religion confondue, qui vient intervenir dans la question ça tout, parce que vous posez une question de droit à la vie, mais ce n'est pas la vie femme, non, qui capote petite là. C'est la vie ou amas de cellules qui peut même moun. Ou supposez le monde parce qu'il saute dans votre tout monde, il saute dans conception de monde, mais c'est pas il va pas même bien formé, même il a plus droit que ou même capote là. Ouais. Donc bon nouveau code ou code pénal qui soi-disant ta supposé élaborer, mais code pénal ça ça li bon non mais il reprend ni dans l'autre main. Par exemple, il met une limite de 14 semaines que femme qui a gain droit décider si la pas bon timon ou pas, mais passé date ça, si elle fait sous 15 semaines ou passible de même peine que article 262. Ça veut dire que c'est la même monsieur Attès. OK. Donc ça qui importe dans bail ça, c'est pour société à suspend bébé sous question. C'est pour nous parler. Législateur, bon, c'est pire d'attendre. Yo plutôt discuter de ça nous connaît, de combien il y a touché, de combien cas et secondaire que y a gagné et résident secondaire au lieu que on fait des lois qui m'a connaît à la vie monde. Et juge yo même sans garder derrière soit disant y a pas compris la loi yo condamné tout ça c'est des moun qui la cause condition femme nan dans condition ça et dans l'hôpital là le moun yo aller surtout jeune yo moun k'ap bay au service ça yo maltraité yo tellement yo dit oui. Tellement mauvais parole que jeune yo fi le centre de soins. Autrement dit, c'est toute société qui pour mettre bouche dans ça de façon à ce que la loi vienne légale, que c'est une loi, puisque la Constitution reconnaît la Déclaration universelle des droits de l'homme, de ses articles 17, 16, 17, 4, de 14 à 17, on va dire comme ça. Moi quoi que c'est l'œil au pas bon droit ça pour jouir pour décider sous corps ou c'est yo violer droit en tant que monde. Donc moi quoi que c'est dans même politique que le Mexique saute prend même que nous ta doit aller que avortement l'œil nié au droit à l'avortement c'est yo nié au droit en tant que monde, en tant que femme, en tant que monde. Et okay. C'est avec notre ça, on m'a quitté nous. J'espère que pas dépasser temps. Merci beaucoup Lise Marie et on va quitter nous. Tu restes là pour les oui, échanges. Oui, comme dit quand quitter nous, je me tais. Okay. J'écoute. Bon, bien sûr Lise Marie, est-ce que par rapport à intervention et des points qui importants que vous souhaitez aborder là, est-ce que vous pensez et étant donné qu'on parlait de ressources en dedans et l'hôpital yo structure de santé yo qui même stigmatisé des jeunes qui viennent chercher et type de service ça yo des jeunes gens et donc est-ce que vous pensez son conception son mentalité
qui est concevoir qui ouais condition femme ou façon d'aimer gain bon moi quoi que bon cap by service c'est-à-dire professionnel de santé yo yo très comme te ka di sous la coupe de l'église ouais c'est ça qui jugeait bailan alors que bon article doit canon pas gagne dans tête mais là c'est un mauvaise interprétation de un article doit canon hein m'a cherché qui fait que l'église une prend position ça ouais donc mais moun sa yo par exemple un jeune yo c'est la rage des hormones c'est yo même qui yo nan toute relation sexuelle un jeune qui paraît non centre de santé qui mande seulement pour yo une méthode de planning la première question s'il gagne 15 ans première question mande le code grand moun donc on a abordé cette question là hier dans la causerie mais c'est-à-dire que question c'est qui gens yo wè femme qui ça veut dire et femme et qui doit que le gagne qui besoin que le gagne et par rapport à ça étant donné que sans femme ou son monde donc pas gagne des droits et gagne des besoins que le gagne tant qu'un garçon donc ça veut dire pratiquement le ou empêcher ou gagne des comportements stigmatisants qui empêchent le gagne accès à des séries de services tels que par exemple question de camper grosse là ou mettre en quoi devant jouissance un droit que le gagne pour décider qui le s'il voulait maman s'il pas voulait maman et qui le la maman donc ça c'est extrêmement important même pas c'est que gagne des organisations locales cap mobiliser moun mais gon réflexion qui doit faire sous condition femme pour qui ça femme gagne des séries de droits et yo pa gen l'autre droit tout ça qui gen awe par exemple avec question de santé sexuelle et reproductive pour qui ça droit spécifique ça yo pa gen contrôle sou yo pour qui ça parce que nous une société patriarcale c'est yo même qui fait loi yo c'est yo même qui yo décide qui ça ou gen pour faire qui ça pas gen pour faire et en plus de ça yo condamné si yo met c'est nous-mêmes femmes comme maman qui pour appliquer et doit ça ouais et c'est bah ça m'a dit c'est lui qui me fait ça la calme là donc c'est ou obligé c'est ou même capé bon ces jours-ci on nous cap dit grâce à organisation féministe yo il y a un pile progrès qui fait sur ça mais question abracer mais nous beaucoup nous loin nous beaucoup là du tout ouais parce que ou gen doa ou m'a pon exemple très 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 pareil yo nous connaît que yo te voté loi sur la paternité responsable que yo te un petit gens adultéré ouais bon gen un juge gen un victime enfin un survivant de violence qui allait dans tribunal pour monsieur payer et pension alimentaire juge là qui responsable là il dit lui-même il pas jamais condamner un garçon pareil lui pour la pension alimentaire donc dans qui ça y est bon OK et bon effectivement et un système patriarcal où la condition de la femme est en fait pratiquement quoi qu'est-ce qu'on peut dire on peut nous capable dire est-ce que il équivaut peut-être à une condition un esclave en tout cas oui, pas inégalité hein? Pas les mêmes droits et une femme pas les mêmes droits que un garçon dans le système patriarcal OK et ça c'est ça concernait justement question de droits
santé sexuelle et reproductive doit pour décider est-ce que ou pare pour faire petite, qui le ou pare pour faire petite, qui gens va faire petite. Ça, ça c'est une décision personnelle. Mais non, système patriarcal, il est difficile. Il est difficile, il doit ça y a pas reconnaître. OK? C'est là pour nous continuer. Bon, exactement. Et merci, Lise Marie. On a passé à la prochaine intervenante, là, qui c'est Madame du Sénat, pour aspect et considération légale dans la pratique campé gosse là. Merci un pile Katia, merci un pile docteur Desjean, une très brillante intervention comme d'habitude et n'a remercier tout participants yo sur panel là, tout le monde qui a assisté à conférence ça et de manière très particulière n'a remercier collectif droit santé sexuelle et reproductif pour activité ça que organisé. Avant de commencer à parler, nous voulons affirmer pour que tout le monde clair de qui ça n'a parlé. Avortement, c'est un droit fondamental. Nous voulons les clair parce que pas gagner discussion sur ça. Effectivement, nous sommes à faire cette discussion là sur société patriarcale là. Et justement, tout ça qui a passé journée aujourd'hui en Haïti, c'est parce que nous avons une société patriarcale qui est basée sur domination garçon, hein, que les considérer tant que patriarche là. Dans ce sens ça. Système nan bay garçon doit pour contrôler qui jan femme a travail. Combien l'argent femme fait? Comment yo dépenser l'argent ça que fait? Comment yo déplacer, c'est-à-dire qui côté yo pour aller, qui rade qui sou yo, qui l'a tourner. Li bay garçon doit pour li contrôler qui bien femme possède. C'est-à-dire toute ressource matérielle, toute ressource économique femme. Et de fil en aiguille, système patriarcal là vin rive fait garçon quoi? Que yo capable contrôler jusqu'à pouvoir faire petite yon femme. Comme ça yo incriminé avortement que yon femme qui enceinte ka décider pour le faire. Au risque moi répéter tout des bagay qui dit déjà des définitions qui baille déjà, nous quand même a souligner que les n'a parlé de avortement, nous a référé à une grossesse qui campé. Ça ka arrivé pour plusieurs raisons. Mais jodi a elle n'a parlé de droit yon femme gen pour faire avortement, n'a parlé de décision que yon femme prend pour camper volontairement yon grossesse. Avortement d'abord c'est une pratique ancestrale. C'est un service que femme tout côté dans le monde toujours a cherché depuis longtemps. Donc ça veut dire d'abord nous devons comprendre que avortement son besoin que lié. Et dans ce sens, dans le pays comme Haïti, que justement la loi interdit l'avortement, nous pensons que le docteur Desjean se font bon à aller sur ça, ou bien il arrive fait quand même, sauf que il fait dans n'importe quelle condition médicale. Ou soit, femme qui voulait faire avortement et qui décide de la faire quand même, il utilisait des méthodes traditionnelles, comme les remèdes feuilles, pour faire sans vini, pour avortement qui arrive fait. Ça vient la cause. Avortement dans mauvaise condition placé docteur déjà Sodili comme une cause comme troisième cause qui fait en pile femme a perdu la vie. Nous bien pour nous arriver dans question légale là, dans cadre légal là, mais bien avant que nous arriver là-dedans, nous quand même voulons souligner que en fait ça qui passait c'est que au lieu pour société à pencher sous besoin ça qui au fil des temps vient imposer le temps pour une nécessité fondamentale. Détracteur doit avortement yo plutôt femme ingéo sous condition femme a perdu la vie. Mais en réalité, je ne sais dit là droit pour femme avorter, c'est une composante dans droit à la santé sexuelle et reproductive femme que lié. Donc droit à l'avortement, c'est un droit fondamental que lié. Pour qui ça en fait yo gagné nous t'a dit possibilité ça pour yo longer droit sur avortement c'est parce que yo toujours gain tendance retirer droit à avortement à droit à santé alors qu'en réalité là n'a parlé de avortement droit à avortement en réalité n'a parlé de droit à la santé et faut que nous pas oublier que à chaque fois que nous a parlé de droit monde nous pas de ouais seulement droit mais nous devons ouais accès à droit. Et dans ce sens, justement, n'a pas rappelé que caractéristique yon droit fondamental, mais qui sa yon. D'abord, c'est affirmation droit. Et toute affirmation droit vini de yon besoin.
Parce que société a dû évoluer avec besoin, avec demande. Et comme justement, service pour avoir accès à avortement dans bonnes conditions, je nous so dis là, c'est une demande ancestrale, c'est une demande depuis le monde est monde lié, donc c'est une nécessité fondamentale que lié, et l'y affirmé déjà. La deuxième chose, deuxième caractéristique, c'est reconnaissance droit. Elle n'a pas parlé de reconnaissance droit, nous fait référence directement à différents instruments légaux qui gagnent. Et pour nous-mêmes en Haïti, nous avons rappelé que le corpus juridique nous est composé non seulement d'instruments légaux que nous avons adoptés ici, lois, décrets, etc., mais il est composé de tout instrument régional ou bien international que Haïti ratifié parce que yo entré automatiquement dans corpus juridique. Et troisième caractéristique, yon droit fondamental, yon nécessité fondamentale, c'est l'opposabilité de ce droit, c'est-à-dire qui côté nous pour chercher droit. Et jounen jodi a li clair, n'a dit encore, droit avortement qui c'est yon droit fondamental là, qui côté pour n'aller chercher droit ça, c'est auprès de autorité qui la pour yo garanti respect, réalisation et jouissance droit ça pour toute femme. Enfin, faut que nous disions que droit pour une femme avorter, c'est une nécessité fondamentale tout parce que li lié directement à un service qui s'il n'est pas disponible, li viole une série de l'autre droit fondamental que nous gagnons. Docteur Desjean sot di li, les femmes pas gagnent possibilité pour le faire avortement dans bonnes conditions, li mouri. Les femmes pas gain possibilité, donc c'est droit à la vie qui violé. Les femmes pas gain possibilité pour le faire avortement dans bonnes conditions, li subi n'importe quel type d'opération que le pas ta dû subir pour ne pas utiliser carrément mot charcuterie. Et à ce moment, droit à la santé vini en jeu. Tout le violé droit à la santé. Donc ça veut dire droit à la santé femme qui a demandé service là ce qui est violé, droit à la vie femme qui a demandé service là ce qui est violé, mais en plus de ça tout droit à information éclairée femme qui besoin service là tout. Parce que le droit à l'information c'est un droit fondamental que lié et on l'autre droit encore qui est très important que Katia ou se parler en pile de lit, c'est droit au libre arbitre, c'est-à-dire droit pour choisir qui le qui Jean, qui est-ce que m'a fait petite ou pas. Nous t'a fonti garder effectivement qui ça cap fait en Haïti, mais nous pensons que gen en pile monde dans intervenant yo qui parlait de ça. Mais cependant faut que nous répéter encore que droit à santé sexuelle et reproductive li consacré dans différents instruments qui gagnent dans le système interaméricain qui l'a pour défendre pour protéger droit monde. Là n'a parlé de tout système commission interaméricaine droit monde et li prévoit tout au niveau de système onusien de protection droit monde. Et malgré que Haïti malheureusement fait partie de tout de système ça yo gagnent en pile violation droit avortement qui enregistré dans pays a et naturellement le manifester de plusieurs manières. Nous sommes parlé là par exemple de service là qui pas disponible, nous sommes parlé là tout par exemple de discrimination qui fait les jeunes particulièrement vient demander service là, mais faut que nous quand même dit tout en réalité c'est toute femme qui vient demander service là parce que si on entre dans l'hôpital tout comme jeune femme ou elle demande service là, elle considère que peut-être c'est parce qu'on sont plus légère qu'il faut venir demander droit à et pour qu'il faut venir demander accès à droit ça à service là. Même gens tout yo voyager garder dans droit tout, est-ce que son femme qui marié, est-ce que pas une femme qui marié, est-ce qu'on vient pour compte tout, est-ce que nèg la vini etc. Vraiment il y a toute une série de discriminations que ou pas même connaît ou même pas comprendre côté placio sorti vient tomber là. Mais en plus de ça faut que nous dit tout que en réalité il y a quand même quelques grand monde qui vivait joindre accès à soins ça, sauf que yo obligé payer excessivement cher pour lui. Et comme non l'autre mais nous gagnons en pile avortement qui a fait de manière clandestine dans pays a pas gain aucun garantie que avortement ça a eu fait dans condition maximale de protection santé avec la vie femme qui fait avortement qui décide faire avortement. Code pénal haïtien nous parlait de lui à plusieurs reprises, article 262 excusez-moi, li condamner femme qui fait avortement que c'est boire li boyon remède pour le faire avortement. Que c'est remède fake qu'elle prend, que c'est un médicament l'acheter, que c'est un médicament que yo utiliser pour yon l'autre bagaille pour le boire qui
provoquer avortement. Que c'est quand le docteur que il y a li. Que c'est une pharmacie à aller, que pharmacien longe et un médicament bali, ça veut dire toute façon depuis objectif là c'est faire un avortement. Code pénal haïtien dans article 262a très friand dans les détails, li pa vle que femme fait avortement ici en Haïti. Et li condamné tout moun net dans toute chaîne nan qui impliqué, moun qui accompagné femme nan pour faire avortement, moun qui bal médicament, docteur qui pratique avortement, etc. Donc malheureusement, législation pays a pas ni marcher ni évoluer sous nécessité moun nan communauté a. Et en l'occurrence, n'a parlé jeune jodi a de femmes qui a réclamé droit yo pour nous faire avortement dans bon condition. Pourtant, évolution logique en société, évolution législation en société, li doit m'connait justement à ça qui besoin dans société a. Et par conséquent, législation doit constituer thermomètre niveau respect droit moun en dans communauté a. Et c'est peut-être ça justement nous penser que gagne des recommandations claires qui pour faire. C'est vrai que nous besoin que plus femmes rentrer dans lutte ça pour comprendre que en réalité n'a parlé de un droit fondamental, mais en plus de ça tout, nous besoin des recommandations claires qui doit ajouter autorité l'état. D'abord n'a parlé de droit pour nous utiliser corps nous, pour nous disposer de corps nous comme femmes gens que nous voulons. Là n'a utilisé corps nous n'a disposé de corps nous gens que nous voulons nous pas porter préjudice à aucun autre monde. Là n'a parlé de droit ça et de manière générale depuis n'a parlé de droit monde nous pas parler de faveur, nous pas parler de morale, nous pas parler de l'église, ça veut dire l'église morale. Société patriarcale qui gonbon garçon kal chita nan parlement al fè loi pour femme sans que des fois même parler avec femme pour comprendre besoin tout ça yo supposé aller sous côté et ces femmes yo supposé tendre dans revendication clé ça et peut-être ça justement nous besoin que pour droit avortement consacré clairement dans un instrument légal national que nous pas besoin à chaque fois obligé à faire référence à des instruments régionaux ou bien internationaux pour nous faire prévaloir droit que nous gagnons qui sont droits naturels et fondamentaux pour nous disposer de corps. Deuxièmement, faut des conditions clairement établies sous papier dans qui conditions avortement supposé fait, faut qu'il clairement établi sous papier. Troisièmement, faut information disponible tout pour femme tout. C'est-à-dire non seulement information disponible sous droit sexuel tout bonnement pour jeune ti moun et parce que effectivement docteur des gens sont dit li leur ou jeune hormones etc. c'est vraiment crise d'hormones jeune ti moun besoin gain information ça jeune fille besoin gain information yo et question que avortement disponible mais qui côté ou jeune mais qui service qui bail li a tout li supposé disponible tout comme information et dernier point c'est que faut service là accessible pour toute femme sans condition et dans sens ça nous voulait dire c'est que choix pour me dépenser à la docteur privé pour me faire un avortement li supposé rester seulement choix mais faut service là doit faut li disponible dans toute instance public qui la pour bail service santé publique toutes les fois que yon moun besoin. Et parce que justement, on a fini là, que droit à avortement, c'est un droit fondamental qui consacre, qui proclame, respecter et puis protéger droit à avortement femme, c'est protéger la vie avec la santé femme. Merci en pile, nous là pour si gagner des questions et conversations. Merci en pile, Madame Dissena, pour intervention ça et coup de poing. Et ça qui vous soulevez qui campé bois est-ce que c'est pas non parce que pour une violation de un droit pour choisir qui soit fait avec quoi corps nous gens drôle pour idée qui ça m'a fait avec comme et ensuite
Un élément qui est important, est-ce que tu n'as pas pensé que la loi ça qui pénalise, qui criminalise et campé Gosselin, est-ce que ce n'est pas une loi qui discriminative, qui stigmatise les femmes qui n'ont pas moyens pour y aller chercher service ça dans une clinique, les payer comme et puis les jouer bon service et dans bonnes conditions? Est-ce que ce n'est pas pénaliser les femmes qui n'ont pas moyens? Est-ce que ce n'est pas pénaliser les femmes qui sont pauvres, qui n'ont pas pour yovinoué finaliser avortement ça et dépendamment de contexte côté n'a vivre là et docteur Dejean t'es pas parlé de en une époque côté femme t'es qu'on a campé gros ça parce que yo pas de vle petite yo et vivre dans des conditions d'esclavage là c'était non l'autre contexte là qu'on y a là n'a parlé de femme qui pourquoi décider pour yo maman d'accord. Raison qui valable sont valables réfléchi avant le prendre. Donc ça veut dire que une femme qui décide de dire OK, m'a camper grosse là, c'est une décision qui est grave, c'est une décision là me dit grave là, importante dans moment. OK? Et donc est-ce que justement loi ça qui empêcher vio est-ce que c'est pas qui paye yo arriver faire et camper Gosselin dans bonne condition? Bon, merci en pile Katia, mais gagne en pile coupure faut que moi dire ça et moi penser que en réalité gagne en pile point peut-être dans commentaire qu'on t'a fait yo et question qu'on poser qui peut-être échapper. Cependant map et passer sous Samkandeyo et puis nous capable toujours retourner avec de l'autre point que vous jugez qui important qui peut-être que me pas toucher. La première chose c'est que je ne dis à nous dans société qui plutôt fait de politique de l'autruche la règle. Parce que en réalité qui s'allie c'est que avortement est toujours à faire dans société. Premièrement, la deuxième chose c'est que autorité au connaît que avortement à faire. Ça veut dire yo connaît que gen besoin, yo connaît que moun qui a cherché besoin rive joindre. Et là n'a parlé sans aucune distinction ni avortement qui fait avec remède feuille là, ni avortement qui a le fait parce que moun nan jeune comprimé a pour le prendre, même j'en tout l'autre avortement qui en dernier recours qui a le fait dans l'hôpital là. Cependant, ou besoin que autorité hôpitaux fermer jeu sur ça et justement qui sort vinn c'est que moun ki gen possibilité pour payer par exemple environ 5000 goud gen des docteurs par exemple c'est ça que yo fait environ 5000 goud par mois de grossesse ou bien 10000 goud par mois de grossesse et ça veut dire qu'il soit monté gen des séries de catégories de docteurs par exemple qu'on vient qui augmenter prix toujours et donc moun sa yo gagne accès à service là et nan yon condition plus ou moins nous t'a dit acceptable parce que en réalité puisque même avortement ça qui a fait dans l'hôpital là selon la loi c'est un avortement clandestin que lié tout et donc par conséquent nous présumer puisque c'est un médecin qui a fait que il fait dans bonne condition mais en réalité pour nous retourner sur question politique de l'autruche ça c'est que si autorité l'état yo te plutôt prend temps yo prend sang yo pour comprendre que c'est un problème qui gagne dans société là c'est une demande c'est un besoin et que n'a pas les là de droit à la santé et que les n'a pas les de droit nous pas parler de faveur nous pas parler de morale nous pas parler de sa pensée nous pas parler de point de vue personnel nous et que t'es régularisé conditions et réguler conditions pour femmes faire avortement à ce moment justement nous t'as gagné moins pour nous et justement pour détracter droit à avortement il faut que nous souligner tout que en réalité t'es gagné des monde n'a prend l'autre exemple nous t'as l'impression qu'il est très loin. Il y a des gens qui pensaient que
Le yo ta liberalize vant aiguille pou moun pran piqûre et que ça t'a pas fait que tu as gagné plus moun dans société a qui gagnent maladie pour qu'apprendre dans sang à l'époque les questions ça était sous table là c'était surtout parce que tu gagne pile moun qui t'a pran sida et yo te rendu compte tout que gagne en pile dans moun sa yo par exemple yo te des moun qui te contre drogue que yo te yé avec aiguille avec piqûre et donc yo te dit OK d'accord donc ça veut dire si ne piton pas libéraliser parce que si ne libéraliser li automatiquement ou poil jeune on l'autre effet c'est que poil gagne plus moun qui poil prend drogue mais en réalité yo c'est exactement effet contraire là c'est que yo vinn gagner justement moins moun qui attrapé sida dans condition ça et c'est de ça qu'il s'agit quand nous parlons de droit et d'accès et n'a parlé de droit moun laisse ça nous besoin que service là li disponible c'est pas bien temps mettre gens que détracteurs ou a fait ça dans tête nous que OK si service là vinn disponible il libéraliser le tout partout donc on a toute la Saint-Junien jeune fille pour aller faire avortement etc. parce que c'est de ça qu'il s'agit et faut que nous dit tout que en réalité ça plus important c'est que plus gros problème nous comme femmes nous a évolué dans une société patriarcale nous a évolué dans une société ces garçons qui a décidé sur toute loi qui doit écrire ces garçons qui a décidé pour réguler société a et donc par conséquent c'est voyou qui passé et les voyou passé justement ou rendre compte que ces points de vue ces moralité pas yo qui a fait passer d'ailleurs nous pensons organisation féministe font gros travail par exemple sur question ça et les par exemple n'al espanta sous disposition légale ça qui te dit que les femmes fait gain relation sexuelle avec un nègre ou bien gain relation n'importe quelle relation avec un nègre li tromper mari dans n'importe qui côté alors que garçon lui-même li seulement tromper mari les madame ni en dedans caille là faut que c'était organisation femme pour féministe pour te faire nous ça et nous ca comprendre question discrimination ça que on a parlé à Katia c'est que plus gros problème nous dans une société patriarcale ces garçons qui a régulé société a qui a décidé son bonne loi sans pied ni tête pour société a et par conséquent yo mettait tête yo comme patriarche et donc c'est yo même qui a bail toute règle dans société a donc c'est un peu ça que m'étendais dans différentes interventions yo m'pa connais si m raté un bagage nous ca toujours retourner sous li Katia. Micro fermé. Oui, merci. C'est tout à fait ça. C'est aspect ça que je voulais pour préciser et pour nous. Bon, c'est na geta retourné, na pe commencer avec Laura Louis, qui c'est une journaliste et qui a parlé un petit peu de études li fait sous pratique ça campé groups. Merci en pile Katia, c'est vraiment un plaisir pour me participer. Allô? Vous entendez là? OK. Merci en pile Katia, c'est vraiment un plaisir pour me participer dans un débat qui va animer et m'a saluer panélisation rapidement, ou Marose et Auguste nous travaillent en pile sous en pile reportage. Me content pour me caler ensemble avec vous. Les mari des gens nous pour que j'aime travailler sur un projet même dans des noms en pile et me pas dire comment me content je dis pour partager même panel ensemble avec vous. Oui et pour nous commencer et moi j'ai un petit plan et tout petit c'est déjà nous pour regarder et un reportage que moi j'ai fait sur avortement en 2018. Et puis ma faute parler sous avortement qui pas sécurisé et puis nous cal ouais si gen nécessité bien sûr c'est n'a suivre débat ouais gen nécessité pour gen un plaidoyer pour dépénaliser avortement ici en Haïti. Bon en 2018 moi fait une histoire sous et avortement et texte titré j'avorte et alors. Et mes femmes dis-nous très clairement, je pense que la décision que une femme prend pour l'avorter, ce n'est pas une décision qui est facile. Donc, bien que le texte là titre j'avorte, et alors, je ne suis pas sûre que une femme qui décide que elle va l'avorter, elle dit, OK, je vais faire ça, c'est comme si c'était un bagage qui est facile.
faire un petit monde, c'est un projet. Et donc, l'homme a préparé pour ça, c'est comme si ça tombait sous vous. Donc, il n'est pas vraiment facile pour une femme de dire que il peut aller faire avortement. Alors, nous avons commencé l'article avec un monde qui a expliqué que l'in la vingtaine, de la vingtaine, et puis il y a étudié et li avec ménager li vin tomber enceinte li pa ça c'était vraiment une nouvelle qui bat le problème et puis li vin essayer plusieurs et remèdes et des recettes de grand-mère tant que je nous connais dire généralement et li essayer prendre médicaments pour contre li et lorsque ça pas jamais marché il allait voir un médecin et il racontait que médecin te fait li une intervention sans que pas même gain anesthésie. Et puis après, le médecin te bal quelques médicaments pour lui rentrer la caille et pour lui faire suivi et médical. Eh bien, il y a un pile monde qui fait même qui suivent même démarche ça. C'est-à-dire que yo gagne tout type de recettes, yo gagne yon zami te essayer ça, li di yo mais yo ka essayer elle, gagne un médicament. Tout le monde connaît tel médicament ka bon. Donc, tout le monde a fait avortement et en bachal, tout le monde s'en ouvre l'avortement clandestin. Hein? Alors, l'aime dit tout le monde son façon de parler, mais en pile, le monde a fait avortement en bachal, en batab. Alors, ce que nous gagnons des lois qui restrictives par rapport avec pratique ça. Eh bien, qu'est-ce que la loi restrictive ça a fait? Yo vin bay justement, ça nous a annoncé dans le plan qui c'est. Des avortements non sécurisés. Qui ça qu'avortement non sécurisé hein? C'est lorsque on fait avortement qui c'est et qui c'est une interruption volontaire donc c'est ou même qui décide retirer et camper grossesse là et on fait ça dans des conditions côté que même norme minimale yo pas respecté. C'est-à-dire que les médecins n'ont pas même de matériel adéquat pour faire ça. Les médecins, vu que nous tous de secours, ils n'ont pas pu, parce que si l'État vient connaître que lui-même a fait ça, ni lui-même, ni ou même qui vient côté là, nous tous dépunis. Donc, c'est comme si c'est pressé la pressé pour faire ça, le faire. Et si après intervention, ça, ou sortir avec un dommage, ou pas vraiment de côté que vous carrez les médecins ça, parce que déjà, l'État est puni pratique ça. Donc, mais ça nous relève et avortement non sécurisé. C'est-à-dire que si pas de loi restrictive, c'est-à-dire si tu as une loi côté que nous reconnaître avortement c'est un droit que une femme gagne, tu as qu'à choisir qui médecin qui a fait intervention ça pour lui, dans quel hôpital il peut aller s'il veut faire bien sûr il y a de période que le doit respecter. Donc l'étape connaît qui ça le doit faire. N'a dit que dernier rapport sur avortement et MUSIS qui sorti, il montrait que pas gain en pile femme qui fait avortement. Je dis majorité femme qui parlait dans rapport pas été déclaré que pas fait avortement. Bon nous connaît que c'est avortement c'est un sujet tabou qui gagne et c'est en Haïti. Donc c'est pas gagne une femme qui va le camper qui va enfin c'est pas toute femme qui va le déclarer à un enquêteur que oui il était fait un avortement. Nous ouais des chiffres que OMS Organisation mondiale de la santé sorti qui dit que en Amérique latine avec en Afrique sur chaque quatre avortements qui fait il y a trois qui pas sécurisé. C'est-à-dire que il y a trois qui fait dans des conditions côté normes minimales pas respectées côté que soit personnel là pas qualifié ou bien yo pas gagné de matériel adéquat pour faire ça et yo montré nous que gain en 2012 yo estimé que 27 millions femmes qui étaient conduites à l'hôpital suite avec un avortement donc yo étaient des complications dans santé yo étaient obligé conduire dans l'hôpital. Et nous remarquons toujours selon OMS, on dit que et donner ça on a sorti là c'est en 2020 que OMS est sorti
Yo di ke chak ane, tretman ki fet pou avortman koute environ 653 milyon dola. Donk se ta dir ke, se vre ke gen de lwa restriktiv sou avortman, se pa selman Haiti, men sa pa empeshe ke moun yo fe avortman. Donk, ki sa ki ta merite fe? Deja kon di ke avortman, vreman yo kalone fem ki fe sa, se deja... En Haïti, et nous pas dit et camper gosse là, je quand ça dit là, nous pas dit avorter, nous dit jeter ti moun. Yo dit etel jeter ti moun. Et gen pile fi ki pote non, etel son jeter petit, etel pas capable bo et trouver beau. Et donc c'est tout jouement ki gen pour avec femme là, OK? Donc vu que femme yo même les gars des lois qui empêchaient que enfin qui pas d'accord que avortement fait et mais avortement toujours fait et dans cas pas nous en Haïti même pour des raisons de santé nous pas d'accord avortement en tout cas pour loi qui en vigueur là même avortement thérapeutique là nous pas d'accord il y a là moi je pense que tu as nécessité pour un plaidoyer pour dépénaliser et avortement ici en Haïti pour que ça parce que la vie mesdames yo en danger. Comment on comprend que yon par exemple en 2020 pour comprendre que il y a un paquet de jeunes filles à Gadens et il y a un paquet de jeunes filles non ville à Gadens qui tombé enceinte, OK? Non, même l'école, plusieurs jeunes filles, et ça t'a fait toller l'année passée, plusieurs jeunes filles tombées enceintes. Est-ce que tout le monde a eu information? Si on t'a informé, est-ce que tout le monde a eu droit à la contraception? C'est vrai que le sujet est plus complexe que ça, mais en réalité, l'important pour que la politique publique, pour nous ait droit femme, en tant que droit monde. Est-ce que moi j'ai droit pour disposer de comme est-ce que le kounya moi connais depuis mon petit moi à l'école moi son jeune fille par exemple j'ai 15 ans moi connais que OK kounya m pou ka fè petit si m vle rentrer dans relation sexuelle mais comment moi ka protéger tête moi c'est un bagage qui clair dans tête moi et moi pense li important tout pour éducation sexuelle là j'en m'a parlé à c'est pas un bagage qui seulement doit être pour petit fille seulement. Ti garçon li important pour ti garçon yo tout connaît que yo doit informer sur sexualité si fi pour ti garçon parce que demain ce ti garçon yo cap vinn grand monde et nous connaît que jusqu'à présent dans la société que n'a vive là c'est garçon qui dominant donc autant que nous depuis dans éducation yo les au petit nous essayer montrer que yo gen droit même gens ti fi yo gen droit donc nous gétant montrer qui sa contraception yé nous mettre service ça accessible pour femmes qui veulent faire et nous mettre possibilité tout pour que si aux femmes veulent faire avortement pour les capable connait dans qui clinique dans qui et l'hôpital que le capable aller parce que nous pas bailler tête nous mentir c'est vrai que yon moun nan quartier populaire ka pa konn kote pou l'ale mais yon moun ki nan classe aisée s'il pa vle fè ici li ka al Miami li ka al en Europe la fè donc loi c'est moun ki pi fè bio moun ki plus pa gen moyen yo c'est yo même yo li plus oui c'est yo même c'est femme sa yo ki plus est touché malheureusement donc on pense que gen yon nécessité pour que gon plaidoyer pour dépénaliser avortement ici en Haïti pour femme yo capable libre pour décider de quoi sous point ça mon micro oui Laura merci en pile pour intervention là qui t'ai un petit genre illustré un peu pratique et pratique ça camper grosse là. Effectivement, vous faites ressortir aspect et stigmatisation de femmes qui ont fait et type de, pas qu'a fait de manière générale, comme vous avez dit, c'est chaque jour, vous levez à faire. Non, c'est une décision qui est toujours grave, mais c'est une décision à un moment donné dans la vie d'une femme et toute qualité femme, toute catégorie femme. Et le dit toute catégorie en sens de classe.
Seul bagay, c'est que qui sa loi sa yo? Fait loi qui pénalise accès à pratique ça, avortement, c'est tout simplement discriminer, condamner les femmes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de payer un médecin fait dans de bonnes conditions, c'est tout simplement pénaliser les femmes qui peuvent. C'est ça. Finalement, aboutissement type de loi ça yo, c'est pénaliser les femmes qui peuvent. Parce que je nous ai dit là, loi yo pas fait pratique ça aller. Il pas fait disparaître comme ça. Il est toujours là, il est toujours là. Et je pense que bon gros hypocrisie et la caille autorité qui gagne fonction, qui gagne rôle pour yo et écrit des séries de lois qui pour respecter droit femme. Bon gros hypocrisie dans ce sens. Parce que Jean et Mme du Sénat te dit, yo connaît yo au courant, yo au courant que c'est son bagage de son bagage qui dans la vie toute femme. À un moment donné, dans la vie parle. C'est-à-dire que son hypocrisie pour décider ou pénaliser, c'est-à-dire que son ou faire tourner un criminel. Ça c'est ça. En fait, son loi qui scandaleux, qui scandaleux en lui-même. Bah, qu'on est si Lise Marie ou TV fait un. Oui, ça me devrait ajouter, c'est que yo fait nous. Ouais, maternité a ses destins. Ouais, c'est seul destin nous gagne et c'est un destin qui pas négociable. Ouais, comme quoi toute femme doit viser à la maternité à faire petite. Et ou pas gagne droit décider on pas faire petite du tout ou bien on pas faire petite ça parce que on pas préparé. Ouais. Et ça veut dire yo retire toute autonomie décision qu'on gagne sous propre la vie sous propre corps. Ouais, et ou pas gagne aucune souveraineté sous corps et défendre loi et dépénalisation avortement, c'est ça n'a goumé pour nous gagne souveraineté sous corps non, et pour nous autonome dans décision nous, c'est nous-mêmes qui décider sous corps non. Et moi, je voulais ajouter, mais très apprécié l'intervention Laura, côté, c'est pas que je n'ai pas apprécié par Ozia, non, mais elle parlait de l'éducation sexuelle, parce que, et, bon, non, souvent, nous avons commencé à faire, nous allons aller avec Athée de Carmonde, nous avons fait l'éducation des jeunes de 12 à de 10 à 12 ans. Et moi, je crois que, et, parce que, soi-disant, dans la politique, ministère de l'Éducation nationale, bon, bah, il y aurait les santé à l'école, mais bah, ça, santé à l'école, là, c'est si tu n'as blessé, ou infirmière, qui vous met un adhésif, et puis ça s'arrête là. Ouais. Donc, gagner toute éducation sexuelle, ça, qui vous a fait pour Timounio. D'après EMUS, et si nous rentrons en contact depuis l'âge de 12 ans, et gagnons 13% pour les filles, 37% pour les garçons, 12 à 15 ans. Donc, ça t'a dit que l'éducation sexuelle, là, c'était de fait pour les gens avant ça, depuis l'âge de 9 ans, pour ça, vous comprenez? D'autant plus que c'est aussi que les filles qui forment à 9 ans. Donc moi-même quoi que c'est ça, c'est son bagage pour son autre partie dans la lutte pour dépénalisation avortement et gagner son droit fondamental pour éviter aussi, mais en même temps tout c'est pour nous prendre dans racine de façon pour si nous depuis petit qu'on a gagné ils sont êtres de droit. Ouais. Et li capable pour le capable gagner droit sur poli pour le capable gagner décision sur propre. Alors on t'a aimé réagir par rapport à Sofek Dian Lismay qui est très intéressant. Yon être de droit
Je pense que jusqu'à type de loi ça yo, qui pénalise Campé Grosselin, il réduit nous à l'objet. Ce n'est pas un objet de droit. C'est comme si nous t'as dit, ce n'est pas un être de droit, excusez, ce n'est pas un être de droit. C'est-à-dire que je prends une décision pour vous, parce que vous êtes objet, ou appartenu, et puis me décider pour vous. Soit vous avez droit faire, soit pas avez droit faire. Donc, ou même, ou pas gen besoin, ou corps pas appartenu. Donc, c'est comme si nous t'as dit, yo faut tout non, ou chose, et yo dominé, ou son chose, et puis ou appartenu à un maître. OK? Et puis, y a dit, OK, ou pas gen assez de maturité pour décider, pour t'être tout, m'a décidé pour. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et question de me penser que ça fait partie de débat, yo. Sous, en fait, des débats qui essentiels, sous conditions femmes en Haïti. Est-ce que nous c'est des acteurs, actrices, on dit, et de propre vie par nous, ou bien c'est pour nous y a décidé? Et me penser que question de pénalisation avortement, c'est un aspect, c'est une manifestation, expression de conception, condition femmes. Yo, comme si nous avons dépersonnalisé nous, yo retiré tout droit de gagner et puis a décidé pour nous parce que nous n'avons pas suffisamment de maturité pour nous prendre décision pour tête nous. Et tout ce qui ça qui vient à ouais avec santé sexuelle, avec pouvoir faire petite nous. Donc, je ne sais pas si du Sénat ou bien Laura par rapport à commentaires, si n'a pas réagi. Bon, peut-être toute réaction tout court. Oui, effectivement, c'est un gros problème. C'est un gros problème que je ne veux dire à nous, pas des sujets de droit, nous, c'est plutôt des petits mondes, des petits mondes que garçons décidés, qui a décidé pour nous. Mais et ça montrait tout que il y a plus d'obligations, donc, pour nous, nous t'a dit, investissent faire des décisions. Ou femmes investissent faire des décisions. Parce que faut que nous d'accord tout. Loi ça, pas changer si femme d'une part pas fait pression pour le changer et que d'autre part si pas des femmes tout qui en donne une structure côté à faire loi qui pour dire que ça nous mettait là li pas bon pour femme parce que c'est marché n'a marché sous droit femme. Donc, c'est ça, je suis totalement d'accord, Katia, sauf que, j'en ai dit là, ça montrait son autre raison que nous avons là pour souligner la nécessité pour femmes investir espace de décision. Mais je pense que l'essentiel, moi, entendez, effectivement, est nécessité pour femmes rentrer dans des structures, des processus de décision. Côté que gain des lois qui sont capables prendre pour respecter droits femmes et mettre à disposition yo, des types de services qui répondent à besoin yo, en tant que monde. Et Madame du Sénat, mais attirer attention. Gain des femmes et yo gen attitude ou gen ta souris. Oui, parce que moi-même avec docteur déjà, nous faisons gros expérience Yo dans les lois sur paternité, maternité pi et macho. filiation. Effectivement, nous comptons ça. Parce que gen des femmes, comme si m'ta dit, m'ta dit, c'est pi mal, yo pi mal. Parce Oui, que c'est c'est. vrai. Oui, c'est Donc. vrai. Mais il faut que nous disions tout, si vous permettez, mais Katia, effectivement, moi, j'ai expérience que nous, plusieurs d'ailleurs, t'es fait avec question loi sur maternité, paternité responsable à filiation. D'ailleurs,
faut que nous disions pour tout le monde que nous-mêmes féministes, nous ne parlons jamais de maternité responsable, parce qu'en Haïti, pas jamais de problème de maternité responsable. Cependant, c'est là que justement loi arrivée en bas au niveau du Parlement qui a décidé de rentrer là-dedans et mettre à faire par eux. Et effectivement, nous rencontrer avec dans action de plaidoyer que nous avons fait sous loi ça, nous rencontrer avec des femmes, nous avons dit, qui se dépigou bout dit dans la question kembe, question moralité, pas craser foyer, etc. Parce que si loi ça vini, c'est mariage qui a crasé, etc. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, quelque part, c'est parce que nous quittons la question religion en tout. Rentrer trop dans la façon de vivre. Et malheureusement, nous avons tendance à oublier que l'on a parlé de droit monde, nous pas parler de qui croyance religieuse, mais droit monde pour tout le monde. L'on a parlé de droit monde, de accès à droit monde, sans quoi conviction personnellement, ce n'est pas ça lié. Et sous point ça, je pense que Sofa a une campagne qui était très claire sur la question des pénalisations avortement, que le tap mené, quand elle te dit l'église campe loin. Société, femme mandé pour que avortement dépénalisé, nous-mêmes qui la législateur, c'est bah nous ça demander à parce que son besoin que lié, une nécessité fondamentale que lié. Donc oui, tout ça pour dire que nous faisons expérience avec des femmes, nous t'a dit qui gagné une position très dure, mais c'est vrai tout que nous pas gagné aucun problème tout pour nous discuter avec et des monde comme ça tout pour nous faire comprendre que en réalité, les n'a pas parlé de droit. Nous pas parlé de en quelle autre considération que droit. Moi, je veux dire ça, je veux dire. Là, on a parlé de prérogative, on a parlé de accès à un service, on a parlé, ça veut dire, vocabulaire, droit, moun, pas rien pour le faveur, à religion, à morale. Son l'autre vocabulaire totalement contraire que lui. Laura? Oui. Oui, et Katia. Et. Ton micro frotte mais... ton collier, ça fait du bruit. Désolée. Oui, désolée. Est-ce que ça va maintenant? Oui, ça va. Oui, et justement, Katia, moi, je devais retourner sur le fait que vous dites que des femmes ont dit qu'il y a mal tout. Même parce que mesdames, il y a bien nos cultures judéo-chrétiennes qui veulent que et femmes dans les fêtes pour les multiplier, croître la terre, donc les vignes pour ça, les doués fait ça. Et on peut que gain un pile et coupe tout qui tellement quoi dans ça fait petite bon. Et si en Haïti nous tellement quoi dans ça fait petite, nous dit c'est que petite c'est bien pauvre malheureux. C'est ça. Donc et autant que nous gain petite, c'est autant que nous penser que et n'a on joue dans les VATA. Et donc, je pense que c'est peut-être ça, et l'éducation est important, parce que si les femmes connaissent que les gens ont droit, même si c'est ça la société est imposée, même si c'est ça le pasteur de l'église là imposée, même si c'est ça le mari ou bien la famille imposée, mais si elles connaissent que ça, dans un moment, ça n'est pas bon pour lui. Parce que pour projet, parce que il pas senti le café ça, parce que il senti moral il pas stable pour ça qu'on y a. Eh bien, femme n'en connaît que là, il est capable de décider et que l'État mettait des politiques publiques pour encadrer dans cadre décision ça que la prend. Donc, moi c'est que vraiment et travail là, c'est un travail qui doit être fait et depuis petit et avec Timounio. Et continuer tout, j'en appelle là, j'en collectif là, appelle là, essayer de faire des conférences pour nous essayer de rattraper les gens qui ont fin Dieu si avec immortalité ça pour nous essayer de rattraper dans le ça. Et puis, dans ce sens, nous sommes capables de faire pression tout sous l'État, nous sommes capables d'entrer dans la sphère et de décision. Yo. Et puis, nous sommes capables de vivre dans une société égalitaire. Et sous tout point, et tout sous point qui vient pour avec société et santé sexuelle et reproductive femme. Oui, moi, je voulais ajouter.
Nous entendons? Important. Le plus tôt que possible, le mieux. Oui. Et c'est extrêmement important, un objectif de dépénalisation de l'avortement. Marie. Oui. Moi-même, je voulais ajouter tout pays côté avortement dépénalisé, il y a moins de moins femmes qui mourent dans le fait petit, il y a moins d'avortement qui fait, et pays ça vient plus développer. Oui, définitivement. Définitivement. Ou bien moins de femmes qui mourent. Allô? Oui, Lise Marie, il y a une coupure. Est-ce que tu m'entends? Ton micro, Lise Marie. Bon, j'ai l'impression que Lise Marie. Oui, oui, oui. Je t'entends, okay. Mais je ne te vois pas. OK, là maintenant. Là maintenant, je t'entends. Oui, je disais que. Dans tout pays côté yo légalisé et que yo bay femme enfin que l'état reconnaît femme yo droit pour yo disposer de corps yo et que avortement légalisé non gen moins femme qui fait avortement gen moins femme qui mouri nan fait petite et gen le pays ça yo vinn plus développé. C'est ça. OK. Mais à la qualité des interventions, je pense que c'était des interventions. Et je pense que c'est clair que la série de causeries, c'est pour arriver à. L'utilisation de l'autorité, c'est important pour nous analyser. C'est dans l'intérêt de tout le monde, femmes pour garçons. Merci en pile pour la participation. Nous. Merci en pile, Katia. Merci à toute panélisation. On a rappelé que c'était Lise Marie Desjean, Rosie Auguste du Sénat et Laura Louis, que m'a fait. Préciser les journalistes, mais pas dans Aibo Post, comme on était dit dans le début de la discussion. Donc, dans nos focales, je voulais remercier tout le monde qui était là et qui a regardé la discussion en direct sur les réseaux sociaux. Et je voulais remercier tout le monde qui était intervenu. Et moi, je souhaitais que nous va continuer une série de discussions qui est très nécessaire, je pense, pour la société A et non tant qu'il parle longtemps. Donc, encore une fois, c'était un plaisir et puis m'espérer me revoir encore bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci pour l'intervention. Au revoir.